Comme tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la bonne humeur, la patate. Et en ce week-end particulièrement particulier, parce que c'est Halloween, aujourd'hui on a décidé de vous faire un petit maquillage spécial Halloween. Donc je vais me faire maquiller par mademoiselle. Hello! Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un maquillage d'Halloween avec il va avoir tout le visage avec du fond de teint ici et tout ça. Et là, au milieu, il va avoir une bande de maquillage violet avec autour du sang et tout ça. Bon, bah, c'est parti. C'est parti. Je tiens à dire quand même que le maquillage est inspiré de la youtubeuse Marion Caméléon. Et de toute façon, il vous mettra la photo du maquillage. Mais c'est pas la même chose, je l'ai remasterisé à ma façon. Et puis j'ai fait avec le maquillage que j'avais aussi, parce que j'ai pas raté le maquillage. Voilà. Donc déjà, on va commencer par... première étape. Désincruster la peau. Voilà. Faut me nettoyer, les amis. Un toner, voilà, qui vient de chez Action. Donc on nettoie bien parce que sinon le maquillage il va mal tenir. Ensuite, on va mettre étape suivante. Une base. Déjà. Donc là ça sera la base Max & More de chez Action, qui en a 200. J'en mets partout parce que après je vais venir mettre un peu de latex ici pour bien fondre les bords en fait du maquillage avec son visage. Étape suivante, je vais prendre mon latex, c'est un latex Good Mark. Ouais, c'est un petit pot. Parce que j'ai pas besoin d'un gros pot, vu que je fais pas souvent des maquillages d'Halloween. Je prends un coton-tige pour mieux appliquer. Je tiens mes cheveux. Oui, j'ai fait un petit dessin. Bon, il est pas ouf, mais j'en ai fait un. Pour avoir un croquis. Hop, et du coup, là, je continue derrière son nez. Voilà. On voit bien la marque, en fait. Vérifiez si avant d'en mettre, faut toujours vérifier si vous êtes allergique ou pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au latex. Très important les petits codes. Vérifiez. Donc je suis de retour cette fois-ci avec un serre-tête, ce sera mieux pour mes petites mains parce que sinon. Donc là, je vais continuer à en mettre bien comme ça. Et après, une fois que j'ai fait ça, j'enlève le surplus qu'il y a. Vous voyez, ça décolle très vite quand c'est ça. Donc je continue, j'en mets de l'autre côté, sur son nez. Alors je change de coton-tige parce que celui-là il commence à coller.
Après, du coup, je vais lui appliquer du fond de teint dans les endroits où j'ai pas appliqué de latex. Donc c'est un fond de teint de chez Essence, c'est le Stay All Day 16h. Comme si j'appliquerais du fond de teint en temps normal, quoi. Bien sûr, vous mettez beaucoup de fond de teint parce qu'il faut qu'on voie qu'il y a une différence entre sa peau normale et la peau du squelette. Voilà, du coup je fais l'autre côté. Je vais venir lui mettre un peu de poudre brillante sur ses tempes. Donc moi je vais prendre la palette éclair de génie de chez NYX. Je vais prendre cette couleur là. Je vais prendre avec ce pinceau-ci. Donc du coup je vais commencer ses yeux. Pour ses yeux, je vais prendre plusieurs palettes. Je vais démarrer par cette palette là, c'est la NYX Ultimate. C'est celle qui a toutes les couleurs. Et je vais prendre cette couleur là, donc le violet clair. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir prendre ce fard là et je vais lui mettre sur le coin externe. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre un autre pinceau. Donc ce pinceau là. Alors, il faut quand même une petite palette de pinceaux et un minimum d'outils pour faire cela, mais je pense que vous avez tous un petit peu de pinceaux chez vous. Donc n'hésitez pas surtout ensuite, à reproduire ce qu'on fait en ce moment. Je prends la palette de chez Nocibé, la Miami Fever. Et du coup je vais prendre ce fard là et ce fard là, je vais les mélanger. Après, je vais venir reprendre mon petit pinceau. Mais la chance, il est souvent pris. Et je vais prendre le fard Tears, toujours de la palette Miami Fever. Une fois que ça c'est fait, je reprends mon pinceau et j'estompe. La palette My Favorite de chez Nocibé. Et je viens prendre le noir qui est juste ici. Avec un petit pinceau comme ça, un peu fluffy. Et je vais venir le mettre au bord de l'œil. Sur la paupière mobile, mais au bord de l'œil. Pour faire un peu une trace noire. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre de l'eyeliner. Donc moi c'est un eyeliner lambda, vous prenez ce que vous avez. Moi c'est un Wish, mais vous prenez ce que vous voulez.
Maintenant, on va s'attaquer au mascara. Moi, mon mascara, c'est un Chesaga. C'est le Big Lash. Donc, là, on va démarrer le gros. On va faire cette partie-là. Donc déjà, on va mettre tout le violet sur la partie. Donc je prends du coup la palette Ultimate Edit de chez NYX. Ensuite, je vais prendre le gris qui est là et je vais lui mettre un peu dans les traits violets. Voilà, je vais montrer, on voit bien la démarcation. L'étape suivante, maintenant ça va être recouvrir la partie de violet entier. Donc pour ça, je reprends ma petite palette NYX Ultimate. Et je viens prendre le violet qui est le plus foncé. Et je reprends mon petit pinceau fluffy comme d'hab. Je vais venir faire mes marques de blanc en fait et de noir sur son nez. Pour ça, je reprends mon eyeliner de tout à l'heure. Je prends mon highlighter qui vient de chez Essence. Et je viens prendre ce pinceau-là, où j'ai pris mon noir avec. Je viens le nettoyer parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de noir, donc là je vais mettre du blanc. Je vais venir commencer à lui faire les tracés de sang autour de son... d'ici là, du latex. Donc du coup, je vais venir prendre cette palette là tout à l'heure et je prends le rouge qui est ici. On va venir faire une étape assez délicate. On va venir prendre donc, du faux sang. Alors ça c'est pas du faux sang, c'est de base c'est un gloss, mais moi je l'ai remasterisé. En fait j'en fais mes traînées de sang pour après mettre mon faux sang par dessus pour vraiment faire comme si la plaie était. Donc du coup c'est du faux sang de la marque Good Mark et c'est parti, je vais lui appliquer. La mettre sur un petit coton du coup. Bah c'est plus pratique mais après vous n'êtes pas forcément obligé. Féliciter l'artiste pour le travail qui est fait. Même si moi je ne l'ai pas encore vu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, c'est très important, pour dire bravo, bravo, bravo dans le chat. Voilà. N'hésitez pas. Et voilà, le maquillage est à présent terminé. Alors tout de suite, vous avez le rendu en image. Et voilà du coup les amis, comme vous pouvez le voir, un magnifique maquillage. Je remercie bien sûr mon amour qui a fait le maquillage. Voilà, merci à toi, c'était top. Qui fait un petit coucou à la caméra. Super maquillage. Donc vous allez pouvoir voir d'ailleurs plein d'autres petites surprises pour cette Halloween, cette spéciale séance Halloween. Puis on essayera de vous faire
un maquillage spécial Noël aussi, bien sûr, puisque ça va arriver derrière. Tout pour aujourd'hui les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire. N'oubliez pas surtout de partager la vidéo à vos amis, bien sûr, si vous l'avez aimé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye, mes petits coms. Peace, 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 peace.